d'Afresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.7 Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je savais que tu allais chanter ça. Ingrid est avec nous. Et donc, je vous disais tout à l'heure que nous aurons Monsieur Moussa Vucci, son Eric, et Monsieur Fanky Noveni Wilfried qui sont avec nous. Monsieur Fanky Noveni, bonjour. Bonjour. Vous pouvez rapprocher le micro de vous, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Vous venez nous parler du forum des formations des métiers du Collège Bessieu, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Vous êtes un ancien élève du Collège Bessieu ? Voilà. De quelle classe à quelle classe ? Première terminale. Ah, vous avez seulement fait 2 ans ? Uniquement. Ah, mais il y a des gars qui ils ont fait des 6e en terminale. Monsieur Moussavo, bonjour. Bonjour. Rapprochez le micro de vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Vous aussi, vous êtes un ancien élève de Bessieu ? Oui. Le 6e en terminale. Ah, voilà. Monsieur Fanky Noveni, alors parlez-nous de votre forum. Alors, en fait, nous représentons l'association Bessieu, qui représente les anciens élèves du dit collège. Et nous organisons le 20 mai, de 8h à 11h30, un forum des formations et des métiers. D'accord. C'est quoi le concept ? Voilà. Alors, il se trouve que généralement, les élèves ont du mal à... ont des problèmes d'orientation. Nous n'avons pas les... Généralement, nous n'avons pas les personnes idoines pour nous guider réellement. Le monde du travail est en perpétuelle mutation. Et donc, ce que nous nous sommes proposés de faire, c'est de transmettre à nos enfants et à nos petits frères notre humble expérience dans le marché du travail. Bessieu existe depuis 1948, donc c'est même plus vieux que le Gabon. Bessieu s'est occupé de la formation et de l'éducation de beaucoup de cadres gabonais. Donc nous voulons humblement rendre cette instruction-là. Tous les exposants sont des anciens de Bessieu. Et donc chacun, dans divers secteurs d'activité, présentera son métier et la formation académique qui lui a permis d'arriver à ce stade-là. Voilà. Vous, à votre époque, oui, Gina, tu disais ? Je disais l'association des anciens élèves de Bessieu. Bessieu existe depuis 1948. C'est ça. Elle intègre tous les anciens élèves depuis cette période là où vous avez commencé à une certaine année. C'est tout le monde. Bessieu un jour, Bessieu toujours, c'est tout le monde. D'accord. D'accord. C'est vous qui avez le concept qui écrit in sana corpus in corpus sana. C'est tout à fait ça. Hein, c'est quoi? Mens sana in corpus sano. C'est toujours votre slogan? Un esprit sain dans un corps sain. Monsieur Moussa, vous qui avez fait des 6e en terminale, est-ce que Bessieu a encore la réputation d'antan? Oh, ça en baisse. En vérité. Ça en baisse et on essaie justement de travailler. Le but de l'association, c'est de travailler, à essayer de redonner à Bessieu son lustre d'antan. Qu'est-ce qui a fait descendre son... Il y a beaucoup de facteurs. Desquels? Vous les avez énumérés? Oh, on est nous, mais on ne peut pas toujours le dire en public. On travaille en souligne, en vase clos pour essayer de remettre en place un peu certaines valeurs qui faisaient la force justement de Bessieu. Monsieur Fanky Noveni, vous, avec Monsieur Moussa, vous qui initiez ce forum, c'est qu'il y a quand même un manquement. Vous êtes parti d'un constat, vous n'êtes pas réveillé un matin comme ça, parce qu'à votre époque, il n'y avait pas ça. Donc, vous n'essayez pas d'initier...
quelque chose qui a vécu déjà depuis des années. Non, oui, d'abord, le concept du forum, c'est pas tant pour remettre en revaloriser, c'est simplement pour quelque chose qui se fait déjà dans le qui a cours en ce moment partout dans l'établissement. Mm-hmm. C'est-à-dire, il faut, comme il a dit Micha, donner à nos jeunes les éléments pour choisir, pour savoir ce qu'ils veulent, le métier à envisager après le bac. Mm-hmm. Maintenant, par rapport à ce qui se faisait avant, bon. Est-ce qu'à votre époque, vous avez eu ce genre d'accord? Une fois peut-être, une fois seulement, mais c'était un forum qui avait été organisé dans la ville, ce qui se faisait souvent au niveau de l'armée, hein, je crois. Mm-hmm. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que nous nous sommes appuyés sur notre propre expérience. Mm-hmm. Nous n'avons malheureusement pas eu, à notre époque, il n'y avait pas Internet. Oui. L'information était très difficile à trouver. Donc, partant de ce constat-là, partant de notre propre expérience, hein, oui, parce que beaucoup d'entre nous sont allés à la fac dans certaines écoles en pensant aimer ce qu'ils pensaient. Oui. Et finalement, ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas. Et ça fait perdre du temps. Ouais. Ou du moins, quand on arrive sur le marché du travail, on réalise que le métier que nous voulions faire depuis tout petit n'est pas celui qui nous correspond. Mmh. Donc, partant de ce postulat-là, nous avons décidé de mettre au service de nos enfants et de nos petits frères notre expérience, leur expliquer exactement ce que nous faisons pour limiter au maximum ces erreurs-là. Voilà. Vous avez des thèmes bien précis, vous avez des disciplines que vous allez enseigner? Bien sûr. Comme je l'ai dit, Bessieux existe depuis 1948. Donc, il a formé un nombre important de cadres, mm-hmm, que ce soit dans le secteur privé et dans le secteur public. Mm-hmm. De ce fait, nous pouvons couvrir un large éventail de métiers et, mm-hmm, de secteurs d'activité. Donc, c'est en quelque sorte une foire des métiers. Foire, oui et non. Foire, c'est, vous avez des exposants. Mm-hmm. Mais nous, dans le cadre précis, c'est des échanges directs avec les élèves. Il y aura des pôles, les intervenants seront répartis dans des pôles suivant les métiers, donc finance, compte assurance, ingénieur X ou Y. Mm-hmm. Et puis les élèves, en fonction de ce qu'ils envisagent, donc des séries scientifiques, littéraires, vont se diriger vers les différents intervenants en fonction de leur profil. Les intervenants, ils viennent d'où? C'est des anciens de Bessieux, de tous les corps de métier. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il y en a encore qui peuvent s'inscrire. Si par exemple, il y en a qui ne savaient pas que vous le faisiez et qui sont intéressés, ils peuvent encore venir. S'inscrire pour être un intervenant, en fait, pour présenter son métier aux élèves. Jusqu'à mercredi. Jusqu'à mercredi seulement. Voilà, qu'il faut répartir dans les salles de classe. Donc, il y a un nombre à peu près déterminé. Si on accède jusqu'à 10 minutes, mm-hmm, on peut se retrouver à devoir ouvrir encore l'autre salle. Et puis, forcément, la préparation ne sera pas idoine. Voilà. Aujourd'hui, vous avez combien d'intervenants à peu près? Plus d'une soixantaine. Waouh. OK. Ça commence quand? Samedi. Ça commence samedi. Et ça finit quand? Alors, de 8h à 11h30, on a le forum des métiers dont on a parlé. Et à partir de 11h, mm-hmm, on a une conférence débat qui sera animée par l'ONE, l'Office national de l'emploi, l'ANBG, oui, l'Agence nationale des bourses du Gabon, mm-hmm, et le patronat. Donc la conférence débat aura pour thème diversification de l'économie gabonaise, secteur d'activité et profil professionnel à développer. Mmh. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le marché du travail est en perpétuelle mutation. Au Gabon, on parle beaucoup de la diversification de l'économie, on parle de l'après-pétrole. Et donc ces conférenciers vont nous donner une idée, l'idée qui se fonde de la diversification de l'économie gabonaise et orienter les futurs postulants au marché du travail. C'est la première activité de votre association? Notre association travaille comme l'a dit le président, parce que M. Chisson Moussavou est le président de l'association, c'est redorer le blason de Bessieux. Donc, le forum des métiers n'est que la première manifestation que nous faisons à l'attention de Bessieux. Il y en aura plein d'autres.
Nous sommes d'ailleurs en train de réfléchir aux suivantes. Je laisse le président, je laisse au soin de présenter les deux autres projets phares de notre mandat. C'est quoi les projets? Bon, donc là, comme dit Micha, on commence d'abord par le forum, mettre en place déjà le forum, parce que par rapport à au programme, on est un peu vers la fin de l'année, donc les apprenants ont besoin de savoir quoi faire l'année prochaine. Et ensuite, la troisième partie de notre cérémonie de samedi, justement, la partie cocktail, ce sera un échange entre les intervenants et puis les responsables de l'établissement. Où on va un peu leur donner la mouture de des grands projets que nous envisageons. Et en premier, on a le projet de rénovation du plateau sportif. Oui, d'accord. Donc, on travaille là-dessus. Ah ouais, parce que quand même, après toutes ces années, vous n'avez pas refait le plateau sportif. Quand je pense à tous ces gars qui sont passés par-dessus et qui sont bourrés de pognon, il faut faire des petits dons. Hein. Voilà, donc c'est ça. Donc, Mais c'est comme ça, hein, monsieur Moussa. Vous, dans les grands pays, les anciens élèves. Prière de répéter qu'il faut que les anciens cotisent. Et qu'ils participent à donner une couleur à l'établissement. On voit ça partout, non? C'est ça l'objectif, justement. C'est une genre de collecte de fonds, rassembler les gens et puis leur donner les projets, leur présenter les projets, les coûts. Et puis ceux qui veulent rendre un peu au collège ce qu'ils ont reçu, ben, ils contribueront. Vos enfants, ils vont à Bessieu? Moi, ma fille, non. Oui. Ma fille, elle est en terminale cette année, malheureusement. Pourquoi vous n'avez pas fait la continuité? Vous n'avez pas été bien formé? Déjà, j'ai vu de blind side. Non, non, ma fille, je l'avais mise à quoi? Comment ils se battent pour envoyer leurs enfants? Ma fille, je l'avais mise à Kwaben. Ah, d'accord. Quand elle était à Kwaben, c'est parce que je n'ai pas eu de place à Bessieu. Voilà. Que je n'ai pas pu la mettre à Kwaben. Et puis, étant la vieille école, j'estimais que c'était bien avant, de la sixième en troisième, uniquement beaucoup plus les hommes, pas la mixité. Et puis à partir du second cycle, il y avait une mixité. Ouais. C'était bien. Ouais. Ouais. C'est une façon aujourd'hui, de voir. Bon, c'est une façon de voir, bien sûr. Si vous sûr, avez c'est... conservé le cordon avec l'établissement, je pense que vous auriez dû influencer l'établissement de ce genre de décision en tant qu'ancien élève, parce que vous êtes une masse dans la capitale. Ouais. Une force de proposition. Ouais. Ce qu'il faut dire, c'est que l'association, elle est toute jeune. Donc, nous ne prétendons pas être la toute première association des anciens, mais nous voulons être celle qui réunit toutes les générations. Voilà, parce que entre nous et puis les tout premiers, il y a beaucoup d'années de différence. Donc pour revenir au projet, pour revenir au forum justement. Il y a le forum. Ensuite, nous souhaitons rénover, comme l'a dit le président, le plateau sportif, mais aussi construire une médiathèque. D'accord. Voilà. Remettre aussi en place des remises des prix. Voilà. Ouais, je voulais vous demander si vous ne pensez pas mettre une médiathèque ou une plateforme numérique pour être en contact avec les élèves. C'est prévu. D'accord. Ouais. Vous avez un numéro de téléphone, hein, c'est le 07 39 77 09. Ça, c'est le mien, oui. D'accord, ok. C'est pour les contacts. Voilà. Et puis, il y a l'adresse mail aussi. L'adresse mail qui est l'adresse de l'association. secretariat.bessieu@gmail.com. C'est ça. D'accord. Monsieur Moussavou. Monsieur Fanguy Noveni, merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a d'autres informations que vous voulez ajouter? Plutôt inviter l'ensemble, le maximum d'anciens de Bessieu à nous retrouver samedi pour contribuer à la réussite de la manifestation. Voilà. Dernière question. Les enfants sont les mêmes, même si dans les établissements, tous les établissements scolaires n'ont pas d'association d'anciens élèves. Est-ce que s'il y a des enfants de Kwaben, du lycée Mba, du lycée d'État, ils peuvent venir samedi pour profiter de ça ou pas? En principe, le forum est dédié en priorité aux enfants de Bessieu, mais bon, après... C'est pas grave. La porte est ouverte. Voilà, on ne chassera personne. C'est pas grave. Voilà. Les autres n'ont qu'à faire aussi leur association. Non, il y a 3 heures. Je pense que le nombre d'élèves de Bessieu, bon, ça gênerait pas trop qu'il y ait des personnes, d'autres élèves. D'accord. D'accord, c'était monsieur Moussavou Chisson, hein? Eric, c'est bien ça. Et monsieur Fanguy Noveni Wittfried, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, on souhaite de passer une très bonne journée. Merci bien. Merci à vous aussi.
le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l'association Youri, organise la première édition du Libreville Fitness Tour sous le thème « La femme au cœur du développement par le sport ». Le Libreville Fitness Tour, c'est une caravane sportive exclusivement dédiée aux femmes. Le Libreville Fitness Tour, c'est 3 communes, Libreville, Ovando et Akanda, 4 sites et 5000 femmes à former. Vous êtes une femme âgée de 15 ans et plus? Vous désirez apprendre les bases des exercices sportifs? Rejoignez notre caravane en vous inscrivant pour le Libreville Fitness Tour à partir du jeudi 11 mai 2017. Droit de participation unique pour les 4 étapes, 2500 francs CFA, 4 dates et 4 sites à retenir. Samedi 27 mai à la tribune officielle du bord de mer, samedi 3 juin sur le parking de la gare d'Ovando, samedi 10 juin au stade de Nzengayon, samedi 17 juin au stade d'Angonje de 8h à 11h. Libreville Fitness Tour, c'est aussi des conseils de spécialistes de la nutrition et des coachs sportifs spécialisés. Au programme des exercices, abdos fessiers, zumba, maintien sculpte, stretching, point d'inscription, City Sport, Spa Yacine, Maxi Secado, Géant Secado, Super Secado, Priaport Ovando, Priaport Nzengayon, Priaport Okala et toutes les mairies d'arrondissement des communes de Libreville, Ovando et Akanda. Infoline 06 97 84 27 07 26 05 09. Libreville Fitness Tour, un événement du ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l'association Youri. Sponsor officiel Anza, partenaire média Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.